Salut, c'est Missa. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle construction d'une toute petite maison parce qu'il y a quelque temps, j'avais déjà commencé à rénover toutes les maisons du quartier de Willow Creek. Et là, il me reste très peu de terrain à refaire. Mais j'avais celui-ci qui a un terrain 20 x 15, donc vraiment un tout petit terrain. Et donc, je suis partie pour la création d'une toute petite maison avec une piscine, mais j'ai voulu faire une maison. En quelque sorte, une maison de campagne où on va le week-end. Vraiment un endroit reposant, zen. J'ai voulu faire en sorte que ça soit un peu comme si c'était un petit peu au milieu d'une forêt, une petite maison un peu isolée. Mais voilà, très reposant. Donc j'espère vraiment que vous allez reconnaître cet esprit en tout cas. Donc après, vous avez vu que j'ai fait une piscine et que j'ai mis des pierres tout autour. Ensuite, je vais mettre de la plantation et des arbres. J'ai aussi voulu faire un petit endroit devant avec des plantes également. Donc je suis partie pour des sapins au niveau des arbres. Ensuite, je m'attaque à la maison. Donc je suis partie pour des barrières et du papier peint qui vient de vivre ensemble. Le sol vient également des Sims 4 vivre ensemble. Et les fenêtres aussi. Oui, j'ai pris beaucoup de choses du pack et vivre ensemble. Et vous verrez pour l'intérieur, j'ai pris des choses des Sims 4 au restaurant. Parce que j'ai voulu faire un. J'avais une idée de salon depuis quelques temps en tête. Et c'était parfait dans une petite maison. Donc vous direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Ensuite, je place une cheminée. Et je vais également placer, vous savez, les pots de fleurs sur les fenêtres, qui viennent également de vivre ensemble. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc après, je rajoute de la plantation et des sapins. Au niveau de la boîte aux lettres, je ne sais même plus si j'en ai mis une ou pas, parce que je trouvais ça moche devant une boîte aux lettres. Après, au niveau de la terrasse derrière, je vais la changer. Donc là, je vais faire quelque chose vraiment de simple au début. Au début, je voulais partir pour un truc rond. Et puis, je trouvais ça pas joli. Donc je vais faire une terrasse rectangulaire, on va dire. Mais je vais lui rajouter quelque chose que vous verrez juste après. Pour rester toujours dans l'esprit d'une maison un petit peu cocooning, vraiment voilà, où on est super bien, on est qu'entre nous. Voilà, une maison isolée dans les bois. Ensuite, on s'attaque à l'intérieur. Donc, on rentre, on a la cuisine. Après, je vais faire un demi-mur pour séparer la cuisine avec le salon. Et dans le salon, je vais mettre les fameux fauteuils qu'on a dans les Sims 4 au restaurant. Donc, ça va faire en fait une grande banquette, on va dire. Juste en face, je mets la télé. Derrière la télé, il y a l'unique chambre de cette maison. Elle est toute petite, mais ça suffit tant que j'ai pu rentrer un lit. Une commode, deux petites tables de nuit et voilà, donc l'essentiel pour une chambre, on va dire. Et ensuite, juste en face, vous avez la toute petite salle de bain. Et donc, nous revoilà de nouveau à l'extérieur, comme je vous avais dit qu'on allait y revenir. Donc, je veux faire un endroit un petit peu mieux caché, on va dire. Donc, pour ça, je prends une pièce que je vais mettre au niveau du toit, mais cette pièce ne va pas rester. Ensuite, je vais prendre des mini barrières. Enfin, ils considèrent ça comme des barrières le jeu, mais bon. Voilà. Ensuite, donc, je vais faire un toit avec ça. Je supprime le toit que j'avais, enfin, la pièce que j'avais mis. Comme ça, il restera juste les mini barrières. Ensuite, je mets des murs de façon provisoire. C'est pour pouvoir mettre les plantes comme je veux. Donc, tout en haut sur les barrières, je place, vous savez, ça c'est les plantes que je mets souvent par terre. Donc, je les place en haut. Et sur les murs, je prends des plantes qui vont habituellement sur les fenêtres et je m'amuse à en mettre tout autour et ensuite j'enlève le mur. Après, je mets la table avec plein de bougies. Pour terminer ma décoration. Et voilà, la construction de cette toute petite maison est maintenant finie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On termine avec les screens comme d'habitude. On se retrouve donc la semaine prochaine sur une future construction. Je vous fais des gros gros bisous et à très bientôt.